Vendredi 31 mai 2013, nous quittons l'aéroport de Porto. Rendez-vous a été pris pour le lendemain à 13h avec Alvaro Siza. Il nous recevra avec le raffinement et la générosité qui le caractérisent. Nous le reverrons le 1er juin. Ce film parle de Siza, à partir des dialogues que nous avons eus avec lui au cours de ces deux rencontres. Il était à quelques jours de fêter ses 80 ans. Nous ne souhaitions pas faire un portrait de lui. Pour cela, il aurait fallu plus de temps. J'avais surtout envie de creuser le sillon de l'évidence. Ce n'était pas ma première rencontre avec cet architecte. Déjà au milieu des années 80, alors que le mur était encore bien présent dans la partie ouest de Berlin, mes pas m'avaient guidé vers le quartier de Kreuzberg. J'avais été happé par cet immeuble au fronton duquel figurait le titre d'un roman de Françoise Sagan, « Bonjour, tristesse ». Il n'était pas responsable de cette inscription, mais l'avait acceptée comme devant être le nom du bâtiment. Beaucoup plus tard, j'ai animé une table ronde à Paris, le 22 septembre 2008, à l'occasion de la présentation d'un livre d'entretien, « Alvaro Siza, une question de mesure ». Un autre livre me conduisait maintenant vers lui, « Imaginez l'évidence ». J'avais détourné ce titre lumineux pour la 3e Biennale d'architecture et d'urbanisme de Caen en proposant le thème « Habiter, imaginons l'évidence ». Cette évidence-là, je voulais l'explorer, la mettre en lumière, grâce à Siza et avec lui. Avant de rencontrer Siza, direction Matousinhos, afin de revoir la piscine qu'il y construisit dans les tout premiers temps de sa carrière, de 1961 à 1966, bien avant la révolution des œillets. À quelques centaines de mètres se trouve une autre des premières œuvres de Siza, le restaurant Boa Nova. Comme la piscine, il est classé monument national, mais malheureusement, il est aujourd'hui totalement à l'abandon. Seule une plaque indique aux visiteurs incrédules devant une telle incurie qu'ils ne se sont pas trompés, l'œuvre est bien de Siza Vieira. L'attention portée aux habitants, à leurs désirs, à leurs besoins, est dès l'origine de son travail au cœur de l'œuvre de Siza dans le logement. Écoutons-le nous entretenir de la manière dont il a abordé le programme SAL. SAL se traduit curieusement par Service local d'aide mobile. C'est une expérience de courte durée qui a commencé en août 1974. Elle voulait permettre aux habitants de s'approprier leur lieu d'habitation. Il était question d'habitat social et participatif. Aux yeux de certains, Siza ne semblait pas y être prédisposé. Quand a commencé ce programme SAL à Porto et qu'on m'a invité pour participer dans ses travaux, à son vide, il y avait des gens qui disaient que je ne pouvais pas travailler à ça parce que je n'avais jamais travaillé dans l'habitation sociale. Et je disais non, je suis préparé pour ça parce que quand on fait une maison pour une famille, qui est l'expérience que j'avais, on doit parler avec le père, la mère, et après vient le voisin qui n'aime pas. La grand-mère, le cousin, tout le monde discute la maison. Alors c'était un exemple de projet participé. Alors, pour l'habitation sociale, dans le contexte après la Révolution, était comme un saut pour une autre échelle, une autre dimension. Mais au fond, c'était l'habit de discuter, d'écouter, d'échanger des idées avec ceux qui allaient vivre. Mais cette capacité d'écoute, cette attention portée aux autres,
En quoi était-elle susceptible de faire rayonner dans le monde entier un architecte né dans ce petit pays du sud de l'Europe, tout juste sorti de la dictature? J'ai travaillé au centre-ville, dans la ville historique. Aussi, les résultats et la divulgation qui a été assez forte des projets du SAL et de mes projets au SAL est responsable par des invitations qui sont venues après pour travailler en Allemagne, en Hollande, etc. Même, il faut dire que l'intérêt pour le SAL, c'était avant tout l'intérêt par ce qui se passait au Portugal, ce pays oublié. Et d'autre part, dans le débat de l'architecture à ce moment, et même beaucoup en France et beaucoup en Italie, ce thème de la participation avait devenu un thème très important. L'habitation, c'est toujours un laboratoire. C'était presque possible de faire une histoire de l'architecture moderne avec des maisons. Tu connais les maisons fameuses il y a là des possibilités de recherche très fortes qui a été utilisée par tu vois la quantité de maisons célèbres faites par les plus grands architectes du modernisme. Les voies pour aboutir à un projet de qualité ne sont pas impénétrables. Encore faut-il avoir exploré toutes les pistes de façon à opter pour la solution qui, une fois mise en œuvre, apparaîtra comme évidente. Mais alors, par où commencer et quels sont les risques? Une des expériences du SAL importantes était exactement le dialogue et de comprendre qu'il y a besoin comme matériel de projet, de dialogue. Pas être fermé, mais au contraire, le dialogue. Et d'autre part, comment est possible dialoguer avec pratiquement tout le monde? Il y a quelques exceptions. Et comme ça enrichit la recherche personnelle. Parce que ça ouvre des hypothèses. L'action sans ça reste un peu fermée dans une voie, dans un chemin. Ce processus, si parlé dans l'époque participation, peut devenir perverse, parce qu'il y a toujours cette tentation pour faciliter le processus, de manipuler en utilisant une soi-disant supériorité de connaissance. Mais au contraire, ce dialogue ne devient pas un calcul et pas honnête, absolument honnête. On voit qu'on peut recevoir beaucoup de choses que jamais on entrerait dans ces choses. Et ça, c'est la densification des choses qui ont influence dans la densité et la qualité donc du projet. À Saint-Victor, il fallait construire dans la pente. Le terrain est donc organisé en terrasses supportées par des murs. Cette série de maisons mitoyennes s'inscrit dans la complexité de Porto. C'est bien que cette complexité existe, je cite un propos de Cisa. Car la réalité de notre travail est de faire face à ces mouvements de transformation qui se traduisent par des formes très diverses. C'est pourquoi, poursuit-il, un langage préétabli, pur, beau, etc. ne m'intéresse pas. Plus de 30 ans après sa construction, le quartier Saint-Victor semble être resté le même. Il est paisible et fleuri, et l'association des habitants veille à sa pérennité. Autre logement réalisé à Porto par Cisa, ceux de Boussa. L'opération avait été abandonnée en 1977, elle est restée inachevée pendant plus de 20 ans. En 1999, dans la perspective de devenir 2 ans plus tard capitale culturelle de l'Europe, Porto s'est préoccupé de ce quartier. Les premiers logements ont été réhabilités.
D'autres ont été construits selon la trame initiale. La composition urbaine de l'ensemble et les plans des logements, qui sont autant de maisons individuelles accolées les unes aux autres, constituent un modèle d'une étonnante actualité, alors que leur conception remonte à plus de 40 ans. Jusqu'en 1980, l'architecture était enseignée dans l'école des Beaux-Arts de Porto, au même titre que la peinture et la sculpture. Cette école a formé Cisa. Quittant Porto, nous laissons derrière nous la mer pour rentrer dans les terres en direction d'Évora. Du haut du pont sur le Douro, le regard est attiré par les petites tours qui se dressent face au fleuve, celles de l'actuelle faculté d'architecture de l'université de Porto, dont les bâtiments ont été construits par Cisa à partir des années 80. Cisa affirme que le dialogue, qui a toujours fait partie de la construction de maisons individuelles, est essentiel dans l'histoire de l'architecture. Pour établir ce dialogue à Malagueira, il a de très nombreuses fois traversé cette région de l'Alentejo, qui comprend une grande partie de la moitié sud du pays. En allant vers le sud, le paysage se fait plus aride. Aux abords d'Évora, l'une des plus belles villes du Portugal, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, 1200 maisons ont été construites à partir de 1977 par Cisa. Elles forment le fameux quartier de Malagueira. Dans le livre « Imaginez l'évidence », Cisa explique qu'il a voulu que les maisons correspondent toutes au même principe. La construction à distance de la rue laisse place à un patio. Les maisons s'unissent entre elles le long d'un mur en fond de parcelle, le même dessin se répétant de l'autre côté. Ce projet a commencé pour une association. La première phase du projet en termes d'architecture, une association qui avait travaillé avec le SAL du Sud, et qui m'ont demandé dans le plan, avec l'accord de la municipalité, de réserver une partie du plan pour les maisons dont ils avaient besoin. Et donc j'ai pu développer en même temps le projet et le plan. Et ça a été très important pour ce projet, parce que j'ai étudié la typologie et en même temps que je faisais la réaction au sujet du paysage, de l'histoire, de tout ce que caractérisait et remplissait ce terrain, apparemment vide, mais au fond, l'architecte est un peu comme un détective et découvre les traces qui peuvent conduire le projet bien. Aussi, il y avait une chose favorable, c'est deux quartiers, petits quartiers clandestins à l'intérieur où il y avait déjà vie. Et qu'on a l'opération de récupération de ces quartiers est venue au fur et à mesure du plan du même. Ce qui manque dans le résultat actuel au moins, c'est qu'il y a eu toujours des difficultés pour le financement des équipements. Alors, ce qui manque à Malagueira encore, il y a des espaces pour les équipements qui ont été projetés, mais pas l'argent pour faire ça. Alors, le pouvoir central
dans la réaction pour le pouvoir à Évora a coupé toujours les financements. On peut dire que rien n'a été fait des projets faits pour des équipements, rien. Alors ça coupe l'équilibre d'échelle entre le tissu et les bâtiments émergents qui devraient être là et dont la population avait besoin. À Malagueira, une seule typologie est proposée. Pour endiguer la monotonie due à la répétition, Siza considère que, je cite, « la question de la différence ne peut être résolue et réduite à la seule approche esthétique, car s'il en était ainsi, le résultat paraîtrait aussitôt artificiel, caricatural, inventé de toutes pièces. Le travail patient qu'il a mené avec la population se ressent dans le caractère paisible de la vie qui règne dans ce quartier. La répétition est contrecarrée par une foule de petits détails, tous différents, mais tous cohérents. L'attention portée aux attentes des uns et des autres entraîne une différenciation naturelle. Au final, le logement est populaire, autant parce qu'il a été conçu pour et avec le peuple, que parce qu'il plaît à ses habitants. Le visiteur non averti pourra s'étonner de cette structure aérienne grise qui serpente dans tout le quartier. Elle contient les réseaux, elle constitue une sorte de colonne vertébrale inspirée de l'aqueduc en pierre d'Évora. Mais ce n'est pas la référence à cet aqueduc qui crée les conditions pour que Siza invente cette solution. Les raisons en sont surtout économiques. Les dépenses d'entretien sont réduites et la chaussée n'est pas malmenée chaque fois qu'un branchement est nécessaire ou qu'une fuite doit être colmatée. Siza dit que cette structure en parpaing de ciment a quelque chose de miraculeux, tant elle est légère. Retour à Porto pour tenter de comprendre mieux cette notion de l'évidence qu'il serait possible de considérer, sans jeu de mots, comme évidente et qui pourtant ne l'est pas. Pour aboutir à l'évidence, pour la révéler dans une construction, il faut parvenir à laisser de côté tous les autres possibles. C'est la différence entre affronter un projet avec l'idée que la solution juste est cette ici. Une chose qu'on fait quelquefois, tout le monde. La solution analysée étant la solution est juste là. Et on voit avec l'expérience de projet, on voit que soudain vient un autre chemin et un autre. Jamais il y a une seule solution. Et c'est de la rencontre, l'opposition d'hypothèses assez différentes qui vient la densité et dans un moment la conviction dans ce qu'on fait. Et bien, ça se passe individuellement dans la tête d'un architecte. Mais c'est ça, et concentration plus riche, plus ouverte d'idées, de contraintes, de conflits même, ça est beaucoup plus riche. Même si le chemin finalement choisi est le bon, pour aboutir à l'évidence, les obstacles sont nombreux pour que l'œuvre construite soit en adéquation avec la vision inscrite au cœur du projet. Le chantier est un de ces obstacles. J'ai vu à Berlin que je ne pouvais pas pratiquement parler avec les constructeurs, les ouvriers. Je l'ai fait une fois, discutant avec un des ouvriers, un thème, et j'ai eu un proche du directeur du chantier qui disait « Vous ne pouvez pas parler directement, donner des instructions directement aux ouvriers. Vous dites à moi et moi je dis. » J'ai vu comme était déjà développée cette espèce de barrière entre ce qui projette et ce qui réalise. Et tous les filtres qui existent et qui sont développés, et ça est aussi la réalité au Portugal. Il y a toute une expérience ou des expériences qui se perdent parce que le filtre fait le choix. Et aussi, c'est une condition de sentir
qualité dans la vie, dans le travail, dans la partie du travail, dans la vie des personnes, parce que si quelqu'un est toujours soumis à, dans une hiérarchie très fermée, ça ne sont pas des bonnes conditions de travail. Hein. Mais c'est la tendance actuelle. L'architecte est appelé pour faire un dessin, en portugais on dit « o risco », pour faire un dessin et après « bye bye » parce qu'il y a d'autres spécialistes plus propres pour développer les différentes phases du travail, construction, distribution, etc. Alors c'est une chose contemporaine, une tendance contemporaine de faire tout divisé par des frontières. Architecte et architecte, et même aujourd'hui, beaucoup de fois, l'architecte fait l'extérieur, fait l'image, l'intérioriste fait l'intérieur, le paysagiste fait l'espace extérieur, c'est la fin de l'architecture. Un des projets majeurs de CISA est le musée d'art contemporain de Serralves, qu'il a construit à Porto dans les années 90. CISA dit s'être d'abord attaché à limiter l'impact du bâtiment qui prend place dans un jardin prolongeant une maison de style art déco. Il suffit de se promener dans ce jardin pour confirmer l'évidence de ce parti et sa réussite. La fluidité des parcours dans les salles du musée et la lumière captée aux bons endroits donnent un sentiment d'adaptation évidente à la fonction. Dehors comme dedans, tout est juste et éclatant. Mais un musée en soi est un objet exceptionnel où les possibilités d'expression fortes sont multiples. La question du logement est à la fois plus simple et beaucoup plus complexe, surtout dans une période où les besoins évoluent en profondeur. Que peuvent encore dire les architectes dans le logement ? Bon, ils doivent faire les projets pour le logement ou les récupérations, parce que un thème qui aujourd'hui, au moins au Portugal, est beaucoup haut, c'est de la récupération. Ouais. Pas exactement la construction nouvelle, mais la reconstruction, parce qu'il y a des centres de ville, surtout des centres de ville qui sont pratiquement abandonnés. Il y a des milliers de maisons vides. Donc, une des mesures, c'est profiter de ces maisons. Évidemment, il y a des problèmes de propriété, des problèmes de financement, etc. Mais c'est un chemin qui semble plus indiqué aujourd'hui, dans la situation aujourd'hui. Et le rôle de l'architecte est important dans ce cadre-là ? Ah oui, parce que d'un côté, on pense dans comment maintenir, faire le nécessaire pour aujourd'hui dans les constructions au sens historique, mais en même temps ne pas perdre ce qui est le patrimoine architectonique. Donc, n'est pas quelqu'un qui peut, avec compétence, faire la récupération d'un bâtiment. D'autre part, parce qu'il y a des demandes différentes. Donc, il faut faire des adaptations des maisons, des adaptations à ce qui est la famille moderne, la plupart des familles. Et donc, c'est un problème difficile toujours. Maintenir patrimoine, mais en même temps adapter à les conditions d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas impossible. Bon, j'ai travaillé surtout dans ce point à Chiado, oui, dans la récupération de Chiado. Et là aussi, il y a eu des adaptations. Mais ce projet ancien, 18e, 17e, 19e, sont très flexibles. Il n'y a pas le zonnement comme dans, à partir de certains moments dans l'architecture moderne, sont des divisions presque de la même dimension qu'on peut rejoindre et utiliser de différentes formes. La question du logement est fort dépendante des problèmes du financement. En conséquence, le projet architectural se heurte à la situation économique dans laquelle il s'inscrit. À ce moment, je n'ai pas de récupération parce que peut-être je ne suis pas suffisamment malléable
comme convient à beaucoup d'immobiliers, non? Non, ça sent évidemment, mais ça sent pas seulement dans l'habitation, dans tout. C'est privatisation. C'est la solution pour quelques politiciens et on voit le résultat. Ce n'est pas seulement le problème de faire les logements, c'est aussi les hôpitaux, les écoles, et tout. La tendance plus active, c'est de privatiser tout. Et le résultat ne sera pas bon. Dans les dernières années, j'ai diminué l'équipe parce qu'il y a peu de travail au Portugal. J'ai quelques travail au dehors du Portugal. Mais là, je dois toujours... Ce que je fais aujourd'hui, maintenant, c'est associer mon architecte qui a travaillé avec moi à Berlin, en Hollande, des temps, qui est Castanheira, Carlos Castanheira. Et on fait ensemble parce que, surtout maintenant, avec l'accident que j'ai eu, je ne peux pas aller en Chine. Et j'ai été là 6 fois déjà, mais... Après l'accident, alors il va chaque mois et demi et tant. Mais au Portugal, pas de travail. Et même quand il y a des demandes pour faire quelque chose, pour une ville, une municipalité, ou ça, après le parcours est si compliqué, si vulnérable, s'il y a financement ou non. Si le contrat est fait ou non, alors tout le monde est ou en train de faire le travail en dehors de Portugal, ou pour aller, ou pour émigrer. Il y a beaucoup d'architectes qui sont déjà en dehors. Et sur le thème de la construction, on avait construit trop, surtout en Espagne, plus qu'en Espagne qu'au Portugal. Alors le problème n'est pas construire habitation sociale et comment mettre au service des besoins l'habitation construite qui n'est pas exactement dans le même sens, mais était pour spéculation. Comment prendre ça et le faire pour habitation pour tout le monde. Cisa est partout dans son agence. La lumière de Porto, agréablement filtrée, crée une atmosphère studieuse et un cadre propice à la réflexion. La beauté de ses dessins habille les murs, tout y est question de mesure. La conversation s'oriente sur les projets en cours, les projets à venir et les mots qu'il souhaite employer pour définir son architecture. À ce moment, en train de se faire, j'ai peut-être 4 projets. Oui. Dans le bureau. Il faut prendre quelques risques ou fermer le bureau, mais avec contrôle. Ce que je ne veux pas est un projet que je ne contrôle pas, l'exécution, ça. Je n'accepte pas. Vous contrôlez tout ce qui sort de votre agence, oui, vraiment. Oui. Sinon, mon travail serait horrible, ennuyeux. Pas intéressant, non. L'architecture dépend de tant de choses que c'est difficile de faire un résumé. Ce que je peux dire en général, c'est que dans ce que je fais, je suis plus lié à une idée de continuité dans l'architecture, dans l'histoire de l'architecture et dans le contemporain aujourd'hui même, que de rupture. Mais l'évolution de l'architecture, à notre temps, et pas seulement, balance entre continuité et rupture. Et avec le mouvement moderne, la rupture a été assez forte. Mais si on observe, il y avait des raisons pour l'être, mais si on observe avec une certaine distance, on voit comme au fond, là,
avec une grande nouveauté de langage, d'atmosphère, etc., on rencontre à nouveau la continuité dans la conception de l'architecture, dans la palette de l'architecture. Donc le mot qui conviendrait le mieux, c'est continuité. Oui, sans exagérer, c'est sans continuité qui ne signifie pas conformisme au esprit conservateur, mais pas ça, mais c'est que les choses viennent d'autres choses qui existent avant. Alors, toute nouveauté a un passé qui le provoque, je pense. Voyons, si on observe la ville Savoie, si on va à Poissy, quand apparaît cette petite maison absolument nouvelle, fraîche, dans. Mais si on observe bien, il y avait déjà des toits à terrasses. Ça suffit de penser à Sauvage, à Paris, mais tant d'autres. Il y avait déjà des fenêtres horizontaux. En Europe, ou au dehors, c'est universel. Il existait déjà des pilotis, on le voit. Par exemple, à Venise, le marché sur Chanel, sur pilotis. Alors, au fond, rien n'est nouveau. L'association des choses et le rapport avec ce qui existe ou avec le paysage, ça est nouveau. C'est la composition de ces éléments qui sont en continuité comme d'autres éléments. Ça, oui, je m'intéresse beaucoup comme forme d'approcher du problème de l'architecture, de faire l'architecture. L'agence de l'architecte Eduardo Souto de Moura est située dans le même immeuble que celle de Cisa. Deux Pritzker Prize à Porto, à un seul petit étage de différence. C'est une situation probablement unique au monde. Deux grands architectes, reconnus dans le monde entier, pour un petit pays du sud de l'Europe, ce n'était pas évident. C'est même assez inattendu, non ? Et probablement, il y a eu un phénomène au Portugal qui c'est d'une situation fermée avec un régime qui le faisait, voulait faire fermer, pas connu, et sans beaucoup d'opportunités pour les gens qui travaillaient là. Soudain est venue une libération et tout le monde a pris, tout le monde. Il y a beaucoup d'attention à ce qui s'est passé au Portugal dans les années 70. Et pour ceux qui travaillaient ici, pour les Portugais, il y a eu aussi un élan d'enthousiasme. Et c'est comme la découverte de la liberté, non ? Bon, alors ça donne une force intérieure et un enthousiasme, une volonté de récupérer le temps perdu extraordinaire. Non ? Peut-être, c'est ça. Et aussi, c'est un hasard. C'est le fait que Souto Moura a bureau ici. Quelquefois, nous faisons quelque chose ensemble. Par exemple, à la Biennale, il a fait un pavillon, j'ai fait un autre, on a discuté ensemble. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui on est absolument au dehors. Même si j'habite le même bâtiment que lui, qui d'ailleurs est fait par lui, il y a des semaines que pratiquement on ne se voit pas, parce qu'il a beaucoup travaillé au dehors, et donc lui voyage beaucoup. À ce moment, je ne voyage pas, mais j'ai voyagé aussi beaucoup. Alors, il n'y avait pas un rapport étroit et
comme au contraire de ce que je vois par exemple, parfois dire, je n'ai pas été professeur de Guarno. Quand il a étudié, je n'étais pas à l'école. Après, il a travaillé dans mon bureau pendant quelque temps. Mais ce que je vois intéressant, cette espèce de surprise et enthousiasme venu de changement soudain d'une situation qui n'était pas stimulante. Hein. Et donc les possibilités de travail qui sont venues du besoin de faire des choses qui n'étaient pas faites. Exactement. Alors, de récupération, récupérer l'enthousiasme et l'opportunité, la possibilité de récupérer, qui n'est plus la situation aujourd'hui. Alors, le prochain Pritzker sera difficile. Dans l'entretien qu'il a accordé à Dominique Machabert à propos de l'évidence, Cisa dit ceci. Parlant d'imagination, on pourrait penser qu'il s'agit d'évasion ou qu'il est question de produire des choses extraordinaires, alors que l'évidence nous amène à considérer plutôt la réalité telle qu'elle est. Cette phrase ne m'éclaire pas comme je croyais l'avoir a priori compris le paradoxe contenu dans la proposition « imaginer l'évidence ». Cisa expliquerait donc ce paradoxe par sa volonté de prendre en considération ce qui existe, le déjà-là, alors qu'il me semblait que l'évidence résidait plutôt dans tout ce qui conduit un architecte à une solution, laquelle, après coup, apparaîtra comme la seule possible. Il ne va pas vraiment me contredire. Toute l'architecture de qualité semble unique. Solution unique, pas changeable, et c'est ce qui semble être là depuis des siècles, non ? On voit un bâtiment nouveau, on peut dire, bon, ça a rompu le contexte complètement, c'est difficile encore, l'architecture avec la pensée de ce qu'il faut, c'est construire absolument nouveau, et avec ça, provoquer d'autres transformations profondes dans la ville, exactement par la contradiction. L'autre idée, c'est de ne pas mettre un problème ce qui existe déjà, si on parle de la ville, ce qui existe déjà, et voir un bâtiment nouveau avec la fraîcheur d'une chose nouvelle, hein, et en même temps pas possible imaginer ce lieu sans ce bâtiment. Oui, c'est ça, imaginez. Alors, quand on développe un projet, on considère différentes hypothèses, dont on fait une sélection. Au moins quelques architectes travaillent de cette manière. Et alors, quand on compare et quand on considère dans le processus du projet les différentes choses, on fait un choix qui quelquefois est le mesclage des différentes considérations. Et là, il y a une espèce de conviction, on trouve la solution. Mais c'est une solution, un autre architecte ou le même dans un autre moment pouvait trouver une autre. Mais ce qui donne caractère à un bâtiment, c'est cette conviction que ça est bien, ça c'est ce qu'on fait faire. Et quand ça succède, pour moi au moins, ça signifie que c'est impossible d'imaginer ce lieu sans ce nouveau bâtiment. Pour le dictionnaire, l'évidence est le caractère de ce qui s'impose à l'esprit avec une telle force qu'il n'est besoin d'aucune autre preuve pour connaître la vérité, la réalité. Imaginer l'évidence est une expression lumineuse, si bien adaptée à l'architecture.
pas seulement à l'architecture de Cisa, mais à toutes les architectures dont la puissance transporte notre regard jusqu'à nous emplir d'une volupté indicible. Alors c'est bien le sentiment d'une évidence qui nous envahit. Nous en sommes persuadés, pénétrés même. C'est bien cela qu'il fallait pour ce site, c'est bien ainsi que ce volume devait être. Par deux mots très simples, dont le rapprochement semble presque former une contradiction, Cisa dit ce qu'est le métier d'architecte et son redoutable objet, imaginer l'évidence. Comme les chemins pour y parvenir sont semés d'innombrables embûches, c'est un des métiers les plus difficiles à exercer et des plus passionnants. L'évidence ne s'enseigne évidemment pas, l'évidence est ce qui saisit face à un lieu ou dans un lieu qui nous procure le sentiment qu'il ne pourrait être autre. L'évidence est le résultat d'un long travail abouti à la seule solution possible. Picasso aurait dit qu'elle ne se cherche pas, elle se trouve. Cisa, lui, invite à patiemment la rechercher.